C'est un immense honneur pour l'UNESCO en Haïti de prendre part une fois de plus à la célébration de la Journée internationale de la télévision. Cet événement, organisé sous le patronat du CONATEL et du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, revêt une importance stratégique à un moment où les transformations numériques redéfinissent au fur et à mesure le paysage audiovisuel dans le monde entier. Proclamée en 1996 par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée met l'emphase sur le rôle crucial de la télévision en tant que vecteur de paix, de sécurité, de développement social et économique et de dialogue interculturel. Aujourd'hui, elle reste et demeure un outil incontournable, en particulier dans les pays les moins développés, où elle facilite l'accès à l'information et à la connaissance, tout en reflétant les aspirations des communautés. En tant qu'organisation dédiée à la promotion de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication, l'UNESCO considère la télévision comme un outil crucial, non seulement pour l'information et le divertissement, mais aussi pour l'éducation et le développement socioculturel. Renforcer la cohésion sociale, faciliter les échanges interculturels, ce sont autant de ponts que la télévision peut construire afin de donner naissance à une société résiliente et inclusive. Cette année, le thème retenu, accélération vers le numérique, éducation et innovation pour tous en Haïti est particulièrement pertinent. Ce processus qui s'inscrit dans les engagements internationaux est une étape clé pour moderniser le secteur audiovisuel dans le pays et offrir au public haïtien des contenus de meilleure qualité, plus accessibles et plus diversifiés. La transition numérique ne concerne pas uniquement les infrastructures ou les technologies, elle exige aussi une réflexion approfondie sur le contenu et sur l'éducation aux médias et à l'information. Ce dernier point est au cœur de l'engagement de l'UNESCO, notamment en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, pour l'intégrer dans les manuels scolaires et le curriculum officiel. C'est dans cet esprit que l'UNESCO accompagne le CONATEL dans ses efforts pour promouvoir et faire de cette transition un processus inclusif, basé sur des outils de planification stratégique, solide et sur une collaboration dynamique entre toutes les parties prenantes de ce secteur en Haïti. Nous sommes réunis en ce jour pour marquer la Journée mondiale de la télévision, dédiée cette année à un thème particulièrement inspirant, accélération vers le numérique au service de l'éducation et de l'innovation pour tous. Depuis sa création, la télévision n'a jamais été qu'un simple outil de divertissement. Elle est une fenêtre ouverte sur le monde, un vecteur de connaissances et une plateforme d'expression où prennent vie des idées porteuses d'avenir. Dans un monde redéfini par le numérique, nos médias doivent impérativement s'adapter pour répondre aux nouvelles exigences technologiques tout en restant inclusifs et accessibles à tous. La Télévision nationale d'Haïti, pionnière dans la transition numérique terrestre, la Télévision nationale d'Haïti a pris des mesures ambitieuses pour se positionner en acteur clé de cette transformation. Permettez-moi de rappeler quelques réalisations majeures témoignant de cet engagement. Premièrement, modernisation technologique. La conversion de la chaîne 10 en une chaîne numérique capable de diffuser jusqu'à 12 programmes simultanés, marque une avancée significative. Cette transformation garantit
une qualité de diffusion accrue et une diversification des contenus, rendant la télévision plus pertinente pour tous les publics. Deuxièmement, partenariat stratégique au service de l'éducation et de l'innovation. En collaboration avec l'Université d'État d'Haïti, la TNH offre une plateforme pour les débats constructifs et des échanges enrichissants sur des questions d'intérêt national. Cette initiative vise à nourrir la réflexion et à engager notre jeunesse dans des dialogues porteurs d'avenir. Avec la Banque nationale de la République d'Haïti, la TNH s'investit dans l'éducation financière de la population en vulgarisant des concepts économiques complexes et en promouvant de bonnes pratiques. Elle contribue à l'émergence d'une société mieux informée et économiquement responsable. Un projet à deux phases. Phase 1, la modernisation des infrastructures et l'établissement de partenariats stratégiques pour enrichir les contenus éducatifs et informatifs. Cette étape a été pleinement réalisée. Phase 2, en cours. Cette phase vise à permettre à chaque citoyen de recevoir le signal numérique chez lui. En partenariat avec le Conatel, les solutions innovantes sont mises en œuvre pour accompagner cette transition, y compris l'utilisation de dispositifs pour rendre les téléviseurs non numériques capables, compatibles avec la réception numérique. Ce projet intègre également une dimension écologique avec une gestion proactive des déchets électroniques, communément appelés e-déchets. Un avenir numérique au service de tous. Le passage au numérique dépasse le simple défi technique. Elle constitue une véritable révolution sociale, culturelle et économique. Cette transition vise à proximité, rapprocher la télévision des populations en diffusant des contenus éducatifs innovants et informatifs adaptés à leurs besoins réels. Inclusion numérique, garantir que chaque foyer, même dans les zones les plus reculées, puisse bénéficier de cette avancée technologique. Je me réjouis de l'opportunité qui m'est offerte ce matin d'ouvrir les travaux de cet important atelier sur le thème « L'accélération vers le numérique au service de l'éducation et de l'innovation ». Ceci à l'occasion de la 28e édition de la Journée mondiale de la télévision, célébrée le 21 novembre de chaque année. Avec plus d'une centaine de stations de télévision à travers le pays, la radiodiffusion télévisuelle constitue encore un véritable partenaire de développement. Ce, malgré l'apparition d'autres plateformes de diffusion de contenu audiovisuel, comme la télévision mobile, le streaming, ou même les réseaux sociaux. En effet, malgré cette concurrence qui se dispute l'attention des téléspectateurs avec la télévision hertzienne traditionnelle, cette dernière continue à jouer un rôle central dans nos vies quotidiennes. Dans une société en constante évolution, elle demeure un outil puissant pour le renforcement de la démocratie, la promotion du développement durable et l'encouragement de l'interaction entre les différentes couches de la population. Elle recèle ainsi le potentiel d'accompagner la population et de la faire participer activement au processus de développement en offrant à tout citoyen l'opportunité de la libre expression. En ce sens, elle représente
un instrument efficace permettant aux masses et aux élites de prouver leur capacité d'innovation au travers de débats d'idées propices aux activités de développement socio-économique et aux possibilités de création de richesses. Elle peut ainsi représenter un important accélérateur d'accumulation de connaissances et jouer un rôle de premier plan dans la valorisation de la culture haïtienne et de notre patrimoine historique. Cependant, nous sommes conscients des problèmes et des défis auxquels est confronté ce sous-secteur. Premièrement, les activités de production de contenus locaux sont à un point mort. Deuxièmement, beaucoup de stations de télévision ont cessé leur émission à cause des difficultés liées à la conjoncture politique et socio-économique actuelle. Troisièmement, l'impossibilité d'étendre l'accessibilité à tous et d'améliorer les infrastructures de diffusion. Et quatrièmement, la difficulté d'adapter le sous-secteur aux technologies numériques. Cette célébration se fait en général le 21 novembre de chaque année, mais pour des raisons évidentes, le CONATEL, de concert avec l'UNESCO, a dû reporter cette célébration une semaine après. Je tiens aussi à remercier l'UNESCO qui, cette année encore, a bien voulu s'associer au CONATEL rendre possible la célébration de la Journée mondiale de la télévision. Ce service de radiodiffusion qui a vu le jour au cours de la deuxième décennie du XXe siècle, plus précisément en 1925, et introduite en Haïti trois décennies après, soit le 13 décembre 1959, avec la Télé-Haïti qui existe toujours. Ce service de radiodiffusion, disons-nous, a déjà fait ses preuves et est considéré comme un outil pouvant aider au développement socio-culturel d'une nation. La télévision, en effet, est un service d'information d'intérêt public pour la diffusion des valeurs de la société. Elle constitue un moyen de communication de masse permettant la diffusion de contenus audiovisuels et un espace d'information, de divertissement et d'éducation. Bref, un véritable instrument d'épanouissement social accessible à tous et facilitant des échanges culturels entre les peuples. La télévision a exercé dans les sociétés un réel pouvoir en tant que vecteur d'éducation offrant une plateforme idéale pour diffuser le savoir. Le thème retenu cette année, accélération vers le numérique au service de l'éducation et de l'innovation pour tous, met en avant la transition vers la télévision numérique comme le levier pour l'éducation et l'innovation pour tous. L'atelier de ce matin se déroulera autour de ce chantier aussi important de l'agenda du CONATEL, la transition de la télévision analogique à la télévision numérique. Je suis heureux de vous annoncer, après le discours du ministre, que protocole d'accord pour la mise en place de deux plateformes numériques par les opérateurs de téléphonie mobile sera dans quelques jours signé avec les opérateurs de stations de télévision à Port-au-Prince, opérant dans la bande des 700 MHz. Un cahier de charge fixera les conditions techniques de fonctionnement de ces plateformes. La signature de ce protocole d'accord marquera un tournant décisif vers la fin de la télévision analogique en Haïti.
Au point de vue économique, la transition vers la télévision numérique signifie pour Haïti un développement du marché de l'audiovisuel, des investissements dans des infrastructures numériques, une forte augmentation de la production des contenus audiovisuels, ce qui ne manquera pas d'entraîner la création de nouveaux emplois.